Salut tout le monde! Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de Burnout numéro 3, si je me trompe pas. Normalement, oui, c'est ça. J'espère que vous allez bien. Alors normalement, quand cette vidéo sortira, ce sera peut-être la fin du confinement, je crois, ou encore vous êtes dedans, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires votre situation du confinement, voilà. J'espère que Burnout vous plaît. J'essaierai de continuer même après le confinement, si vous dites peut-être avec d'autres personnes, si j'y arrive, etc. Sinon, je serai peut-être toute seule tout le long du Burnout. Je vais essayer de faire tous les niveaux si ça vous plaît. Alors, vous me dites dans les commentaires si ce jeu vous plaît vraiment, que je le fasse en entier ou pas. Il y a 250 niveaux, je crois. Vous me dites dans les commentaires, désolé pour cette coiffure. Je viens de sortir du sport, d'exercice de sport, voilà. Sur ce, je vous laisse en continuation de cette vidéo. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors, nous revoilà pour la suite du Burnout. Alors, normalement, vous m'avez dit que c'était 9. Alors, on va voir. Et oui, c'était ça, super, merci, je vous remercie à tous. Alors, aider Tom à se faire remarquer par... Mais. Ok, d'accord, fallait lui prendre le sac pour lui voler et tout, etc. Ok, trouver l'étranger par quelque chose caché. Je sais pas du tout, alors on va prendre... Ok, d'accord, on était sûr. En plus, je l'ai fait, ça n'avait pas marché. Bizarre. Ok. Corriger les directions. Oh bah. Voilà. Ok. En gros, il fallait juste tourner le téléphone pour que la flèche soit en haut et la flèche du bas soit en bas. Il fallait juste tourner le téléphone. Voilà. Combien y a-t-il de frites ci-dessous? 3, 6, 9, 9 et 9, 18. Ok, il y aura un piège quelque part. 10! 1, 2, 3. Ah, fallait pas croquer! Oh là là, trouver le panda! Alors, comme ça, vous pourrez chercher vous aussi. Ah, là, il est là, pardon. Je vais juste mal appuyer. Oh, ok. Non, je ne supporte pas ce désordre. Ouais, d'accord, tu veux faire quoi? Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ok, fallait juste frotter. Ok, cliquer 3 fois sur le carré. Le rectangle pour faire un plus 1, 2, 3. Puis 5 fois sur le rectangle vert. 1, 2, 3. 4, 5. Oh, d'accord. Fallait juste attendre qu'il devienne ouvert en vrai. Réalisez votre rêve. Voyager autour du monde, il y a une cabinet où un arbre maîtriser plusieurs langues. Voyager autour du monde. Maîtriser plusieurs langues. Maîtriser plusieurs langues. Voilà, quand on fait mettre plusieurs langues et après appuyer sur les trucs des livres derrière. Ok, d'accord. Quelle forme a le plus de côté? Déjà, on peut rien bouger. 1, 2, 3, 4. Le cercle a zéro côté ou des côtés infinis, c'est une question. Ok, d'accord. Encore, qui sauviez-vous? Votre mère ou votre petite amie? Bah, c'était les deux. Alors là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il rêve, il faudrait le réveiller, non? On peut rien faire. À l'envers, à l'endroit. À droite, à gauche, il y a rien qui se passe. Réveillez-vous. Mais oui, mais comment tu le réveilles? Bah, réveille-toi. Ok, mais je secoue vraiment bien fort le téléphone, d'accord. Vous voyez trouver la photo. Et là, ça dit non. Mais pourquoi tu veux pas? Alors, je veux bien maintenir, mais ça fait rien. Ah, d'accord, mais je maintiens et je incline sur la droite. D'accord. Réveillez le petit cochon. Je vais tourner, ça va te réveiller. T'as ouvert l'œil. Réveille-toi. Réveille-toi, petit cochon. Réveille-toi, petit cochon. Réveille-toi, petit cochon. Voilà, ouais, d'accord. Fallait appuyer longtemps sur mon petit nez.
et d'aider à réussir leur blind date. Toi avec un ça. Ah d'accord. J'ai appuyé sur les fesses, j'ai appuyé plein de fois sur le chien, ça l'a fait retourner pour qu'il y ait un cœur. Ok, alors à vous de choisir de trouver le chiffre 8. Il est là, le chiffre 8. Alors, soit je suis bigleuse, soit vous l'avez trouvé et que moi je suis toujours en train de chercher. Ok, il fallait trouver, mais j'espère que vous l'avez trouvé parce que moi je n'ai pas trouvé le vert. Alors, je suis pas daltonien. Il y a jaune, bleu, rouge, rose. Ouais, dans un truc dans les roses là. Mais je suis bête. Je suis vraiment bête, hein. Je pense que vous avez déjà trouvé. Découvrez l'hexagone. Découvrez l'hexagone. Voilà. Que se passe-t-il après A, B, C, E, F, G. Voilà. Ça, c'était simple. Cercle des kiffes. Ok, vous voulez. Quel chiffre l'aiguille des 3 heures indiquerait-il après 3 heures 9, ok, bon, en fait c'était marché. Marqué dessus, il faut juste réécrire, ok. Combien y a-t-il de poussins? Il y en a deux. C'est celle des poussins, ça 2, 4, 6. 11. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, voilà. Rigueur confort, mon chien. Tiens, prends donut. Prends le. Fallait le caresser, ok. Découvrir des étoiles cachées. Découvrir des étoiles cachées. Fallait secouer le téléphone. Fallait le secouer. Faire en sorte que l'équation soit juste. Nous nous retrouvons pour la fin de cette vidéo. Alors désolé pour la fin, je n'ai pas parlé ni rien, mais c'est parce qu'en fait il y avait du bruit et tout, alors ça n'était pas été agréable pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en dernier, le dernier niveau, la solution si vous avez trouvé, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine.